Hey! Hello les amis, je suis le sosie officiel de Patrick Bruel, et ouais, c'est Patrick fait du sport. Je suis très très heureux de vous retrouver. Alors, petite chorégraphie du matin. Et je vous présente Rémi. Rémi. Je me suis niqué, les amis, ça commence très très mal. Ce matin, je vous ai promis une séance de sport, parce que le sport c'est important. Alors évidemment, pour faire cette séance de sport, j'ai besoin d'un professionnel et peut-être d'un infirmier. Bisous, bisous de réconfort. Ce matin, on va faire du sport, évidemment. Pour faire cette séance, j'ai besoin du meilleur. Majeur Movement. Oui, il aurait pu s'appeler. Oh, salut à tous. Comment ça va? Ça va super, et toi? J'ai mis ma tenue aussi. Fais voir. Mets-toi debout. Ah ouais, t'as la... Là? Ouais. Écoute, si toi t'es le sosie de Patrick Bruel, moi je suis le sosie de Chuck Norris. Ouais, mais... Alors en version un peu dégueulasse, tu vois, c'est la version B. La version B, la discount. Eh, mais j'adore, dis donc, ce petit corps de Depp. T'as vu ça? Ça, ça te va bien? Alors, tu sais, alors, évidemment, on va expliquer aux gens, on va faire une séance de sport type, qu'on peut faire une séance, qu'on peut faire tous chez nous. Exactement. Toi, tu es professionnel, hein, Je suis, donc moi, Major Mouvement, je suis kinésithérapeute de plus spécialisé dans le sport. Et au-delà d'une moustache qui se barre, aujourd'hui, on va évidemment se marrer, mais on va donner des vrais exercices. Ah, donc, c'est génial. Faire la séance comme nous, vous pouvez vous déguiser rapidement. Voilà. Et tu auras la séance. Alors déjà, moi, mon premier truc, peut-être tu peux te mettre debout, parce que en tant que professionnel de sport, on a envie de savoir si déjà toi tu as un corps un petit peu incroyable. Je vais te demander de retirer ce haut, tu vois, qu'on ait une idée un petit peu. Tu veux commencer par un striptease? Ben non, mais enlève le haut, tu vois, pour qu'on voit si vraiment t'es dessiné. Parce que moi, si t'es pas dessiné, tu dégages. Tu te désabonnes directement de la salle. Ah ben, je me désabonne. Tu vois, à un moment donné, un pâtissier, il fait les meilleurs gâteaux. Est-ce qu'un mec qui est... Vas-y. Ouais, c'est pas mal. Déjà que j'avais galéré pour rentrer dedans. Ah, attends, danse de la joie. C'est... J'arrive, j'ai quand même fait 5 ans d'études pour en arriver là. Je peux te faire toute la biomécanique du rachis et les neurosciences. Mais toi, ce que tu veux, c'est du pec et du téton. Bon, bah, d'accord. Non, mais c'est rassurant de se dire qu'un élève, tu vois, qui a été en grave difficulté scolaire aujourd'hui, a réussi. Et ça, c'est un joli message d'espoir. Bon, ça fait on est déjà plus de 3000 personnes. Je te propose de commencer par le premier exercice. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur le major? Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par s'échauffer les moustaches. Je te regarde et après, on te suit. Hein. Laisse tomber la moustache. La première chose, moi, que je demande aux gens, évidemment, c'est qu'en cas de symptômes du Covid, hein, blague à part, ce sera la seule partie sérieuse du truc, on ne fait pas de sport. Voilà, c'est... Je remets ma moustache. Je pense que les gens qui ont. Ouais. Mais moi, je pense que cette moustache, elle va nous ennuyer pendant tout le montage. Voilà. Alors, c'est quoi le premier exercice, monsieur? Donc, le premier exercice qu'on va faire, c'est du jumping jack. Tu vas monter les bras et garder les jambes comme ça. Est-ce que la banane, c'est une manière de donner du mouvement, mais d'une autre manière? C'est histoire de me stimuler un petit peu. Je le fais. Parfait. C'est excellent. C'est genre de... En fait, il faut imaginer qu'on est sur un port et on dit au revoir à l'être aimé. Exactement. Ceux pour qui c'est difficile, vous faites la même chose, mais sans les jambes. Ceux pour qui c'est difficile pour les épaules, vous faites la même chose, mais juste cela. Et pour ceux qui n'ont pas de bras, bah, c'est vraiment galère, quoi. Ouais, c'est vraiment dommage de faire ce mouvement-là. On le fait combien de temps? On le fait 30 secondes, donc là, il reste encore 10 secondes. Ouais. Ah. Ah. 5. Ah. 4, 3, 2, 1, et on repose. Ok. Ensuite, là, ce que je vais te demander, est-ce il faut quand même dire que pour les personnes qui ont une forte poitrine, de mettre une brassière adaptée, sinon vous allez vous faire mal au dos. Hein. Et voilà. Après, tu peux le faire et tu mets des noix sur une table et tu les casses. Voilà, c'est... Ben, on donne des conseils. Et non, mais on fait comme on peut. Alors, question, est-ce que tu as bien pensé en le faisant à activer ton périnée, ton releveur de l'anus? Pardon? Alors, il y a des années qu'il a été relevé, donc je pense que tout va bien de ce côté-là.
Le mec me parle de mon périnée au bout d'un seul exercice. Est-ce qu'on peut respecter l'artiste? Ben, c'était un muscle clé. Je me suis dit que tu en avais besoin. D'accord, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, tu imagines comme si tu voulais te soulever les couilles. Ouais. Ouais, ça y est, tu le fais là, au moment où je te parle? Ouais. Parfait. Donc ça, j'adore ma position. Ouais. Et ça, tu vas le maintenir. Et quand tu vas maintenir cette position de soulevage de couilles, tu vas faire comme si tu voulais rentrer ton ventre. D'accord. Et comme ça, tu vas engager ton périnée et ton transverse. Ça va à la fois. C'est impressionnant. Bah moi, j'ai un périnée très entraîné, si tu veux. Ah, parce ça, que là, ça. Et donc ça, on va le avec le spectacle, t'es obligé. Ah ouais, mais toi, t'as pas de corps, en fait. T'as oui, vraiment... Ouais. J'ai un corps d'un enfant de 12 ans. Ouais, c'est ça, c'est gênant. Du coup, quand t'engages okay. le périnée, okay. t'engages en même temps le transverse, donc non seulement tu peux mieux avoir le ventre plat, okay. pour les nanas, avoir moins de fuite urinaire, et pour les mecs, retarder l'éjaculation. Ah, c'est vraiment génial, c'est pas qu'un cours de sport, hein. c'est aussi un cours de sexualité. C'est aussi un cours de biche. Alors, on va faire okay. 30 secondes de périnée et transverse. Ouais. Ok. Tu le fais pas là? Ouais, si, je le fais là. Oh, et Rémi est vachement bien placé. Regarde dans l'écran où est placé Rémi. Et on relâche. Ce mec est fou. Je suis désolé, les amis. Allez, on continue. Un deuxième exercice. Les gens, ils veulent un deuxième exercice. Je lis quelques mots. On va se mettre en position de squat, d'aqua splash. D'accord. Vas-y. Et tu rentres toujours le périnée? Tout le périnée engagé, le transverse engagé. Okay. Et là, c'est les bras qui vont monter. Tu vas sentir le cardio. Ok. C'est genre, je suis gardien de but et je ne sais ça. Pas de quel côté il va tirer. Exactement. Ok. Tu es dans la piscine et t'envoies de la flotte. Sinon, je suis un pervers à la sortie d'une école. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 8, 5, 4, 1, 3, 2, 1, et on relâche. Est-ce que tu as senti au moment où on le faisait l'effort des bras, l'effort des biceps, des triceps et du gainage ou t'as ben, j'ai... Non, écoute, honnêtement, j'ai senti que j'étais une machine de guerre. C'était incroyable. Et ça, il faut le faire combien de fois alors? Ça, on va le faire. On va le faire. 30 jumping jack, 30 aqua splash, encore une fois. Après, on change d'exercice. D'accord. On refait alors. On refait. Reviens. Reviens. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, attends, 26, c'est bon, tout va bien. 7, 28, 29 et 30. Il y a mes voisins qui pensaient que je faisais autre chose. Ça va, merci. Ok, après. On se remet dans cette position et on recommence. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et squat. Allez, derrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et squat. C'est bon, j'arrive, on a fini l'échauffement. Ah, pardon? Ouais. T'as dit le mot échauffement? Là, c'était l'échauffement. Non, mais tu dois penser aux gens qui n'ont jamais fait de sport comme moi. Ouais. Déjà, est-ce qu'on a le droit de faire une pause boisson? Oui, on a le droit de faire une pause boisson. Moi, je suis parti sur une gourde. Une gourde de Spider-Man? Ouais, je me suis dit, on a toujours besoin d'une copine quand on fait du sport. Mon chien me regarde en mode, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Ah mais je crois qu'il n'est pas le seul. Alors, c'est quoi d'autre après, monsieur le chef? Alors, monsieur le chef, là, on va faire un truc un peu pour se défouler, travailler à la fois les jambes, les abdos et le dos. Est-ce okay. que les gens suivent? T'as pas demandé si jamais les gens le faisaient ou ils sont juste tellement les gens, ils n'envoient que des émoticônes de « on est mort de rire ». Alors, bon, je peux pas te dire autrement. Les gens, il faut aussi faire les exercices. Vas-y, montre-nous. Hein. Alors, on va faire un mouvement de fente. C'est exactement comme si tu faisais une demande en mariage. Ouais. T'as ton genou qui descend à la verticale dans le même axe que ton dos. Ouais, tu descends, tu vas te mettre boxer. Tu changes, tu descends, tu boxes. Tu m'as déjà vu faire de la boxe? Mais c'est pour ça que je pense que ça peut être un mouvement assez marrant. Ouais, alors regarde, je vais te montrer. On part sur 12. Alors attends, est-ce que tu vas mettre mes pieds? Moi, ce que je propose, c'est que d'abord tout le monde regarde Jarry et après on le fait ensemble.
Ok. Descends. Bien. Mais bah, c'est vachement bien. C'est vrai? Oui, c'est impressionnant. Ok, vous êtes prêts? Allez, on y va. On est parti pour deux. Un, deux, trois, go. Fente, on monte, box, box. On change les jambes, on descend en fente, box, box. Deux, on change, on descend, box, box. Trois, on échange, on monte. Quatre. Et ça, c'est cinq. Vraiment efficace. Mais oui. Six. Mais le fait de taper dans le vide. Sept. Huit. Ok, donc on tape dans le vide. Oui, bien sûr. Dix. Ouais, c'est comme la tectonique, mais dans le vide. Exactement. Mais c'est comme ça que ça a démarré, la tectonique. Et deux. Ah bah dis donc, j'aurais jamais autant demandé de gens en mariage, putain. Ça va me coûter. Donc là, vous le sentez dans les cuisses, dans les bras et dans les... Ah mais là, je peux te le dire, je suis au taquet. Hein. Alors, on va passer ensuite à un exercice. Ah bah, un super bon exercice. Ouais. Alors, je vais vous montrer. C'est le pont fessier. Le pont fessier. Exactement. C'est parce que okay. Tu viens là. Ouais. Tu t'allonges. Tu montes les fesses. Et tu contractes les fessiers. Mais ça, ouais, ok. Ça me parle. Niveau 1. Ça, niveau 2, si vous voulez, vous pouvez le faire sur quelque chose de plus élevé. Oups, sans que ça se casse la gueule. Ok. Et donc, niveau 3, tu peux le faire plus bas, mais avec une seule jambe. Ok. Donc. Niveau 1, avec les jambes élevées, niveau 2 et niveau 3. Et ça, on va le faire 20 fois. Si jamais vous faites une jambe par une jambe, vous faites 10 à gauche, 10 à droite. 1, 2, soulève les fesses, Harry. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On recommence. 1. Ça donne envie de faire caca, hein. Oui, c'est parce que tu as relâché ton revers de l'anus. Ah ouais. Non, Youpi, tu vas pas faire de bisous à papa. Pas de bisous 6, à papa. 7, 8, Youpi. 9, et 10. Comment ça va? Vous le sentez dans les fessiers et à l'arrière des cuisses normalement. Écoute. Et Jarry, on n'a pas mis de musique. Je me sens super bien. C'est vrai. En plus, il y a Youpi qui est venu me rouler une pelle pendant l'exercice. Ça motive. Eh, mais tu sais que je suis déjà cassé. Et ça, c'est un truc qu'on peut faire tous les matins ou il faut le faire un jour sur deux, un jour sur trois? Le mieux, c'est de le faire en fonction de tes habitudes. Si jamais tu n'en as jamais rien fait, deux fois par semaine, c'est très bien. Si tu n'en as jamais rien fait, est-ce qu'on peut s'arrêter sur cette phrase? Si tu n'en as jamais rien fait, c'était sûr d'avoir fait des études. C'est pas plutôt des études de dessin que tu as fait? Et une petite question, Major Movement, est-ce que j'ai le droit entre deux exercices à un petit morceau de chocolat, par exemple? Ouais. Pour vraiment que, pour m'envoyer un message positif et que... Pour envoyer un message positif, t'as ça. Garde toujours en tête que c'est une question de balance. Si tu dépenses de l'énergie, ça va te permettre d'apporter plus d'apport énergétique, donc du chocolat. Mais le chocolat, c'est pas l'idéal. Tu pourrais, par exemple, je sais pas moi, manger un fruit. Ouais. Mais j'ai pas d'arbre fruitier dans ma maison. Et tes voisins? Non, alors, mes voisins, ils ont tout. C'est des Portugais, mes voisins. Donc, ils ont par contre du placo et tout ce qui va avec. Mais ils n'ont pas. Ils n'ont pas de fruits et légumes. Tu vas te faire des copains, toi? Ouais, je vais faire des copains. Après, chef. Est-ce que tu veux encore respirer ou on en envoie un dernier? On envoie un dernier, chef. Attendez, on n'est pas là pour enfiler des perles. Ok, super. Alors, c'est un de mes exercices préférés parce qu'on travaille à la fois le dos et les abdos. Ok. Tu sais où ils sont les abdos? Ouais, ils sont juste au-dessus. Okay, on va partir en fait sur un mouvement. Donc là, mes jambes sont dans le vide. Hein. Vous ne les voyez pas, mais elles sont dans le vide. D'accord. Vous allez tendre les bras, tendre les jambes. Et sans utiliser ni les bras, ni les jambes, vous allez maintenir pendant 1, 2, 3, et après, rouler. Ouais. Sans utiliser ni les bras, ni les jambes. Pour ceux qui peuvent, on va venir chercher un mouvement où les mains touchent les pieds. Ouais. On redescend et on repart de l'autre côté. Ouais, mais toi, la chance que tu as, c'est que tes bras sont plus longs que tes jambes, donc tu peux les attraper. Mais pour les gens normaux, comme nous, nos bras sont... Allez, vas-y, on te suit. Allez, donc ça, allez. Je vais faire tout ça. Vas-y, les gens. Non, je le fais avec toi. Alors, okay. On est là. Ok. On est là. Et là, donc, 1, 2, 3, on tend les jambes, les bras comme Superman. Okay. On roule sur le côté sans utiliser ni les bras, ni les jambes. Ah. Et on monte. Ah. On redescend. Sans utiliser ni les bras, ni les jambes. On reroule de l'autre côté.
D'accord, ben j'aurais dû prendre des lingettes que je me serais collées sur le corps. J'aurais fait le ménage en même temps. Ok, le mec et on commence. Ah. Alors si vous avez de l'espace, vous pouvez faire un coup à droite, un coup à gauche. Moi j'ai pas d'espace, je vais finir dans le coup. Ouais. Vas-y, fais-le. Cinq. Vas-y, continue. 1, 2, 3. Ouais. Fais-le bien. Tu le fais toi aussi là. Hein. Voilà, étire bien. Super. Ouais, c'est bien, c'est joli. Par contre, on a vraiment on a vraiment un problème de proportion sur ton corps. Mais on en parlera en antenne. Je suis explosé de fatigue. Et les gens sont morts de rire. Alors, un sportif, notre Jarry, bah ouais, je vous l'avais dit. C'est impressionnant. Allez, encore un dernier. Vas-y, continue, je lis moi. Hein. Allez, Jarry, oui, d'accord, ok. Allez. On a le droit de céder, hein, si jamais ça devient trop dur. Vous avez le droit de vous aider des bras et des jambes sur la fin pour rouler. D'accord. Et 6. Super. Donc là, on a 30 secondes de repos. On peut en profiter, tu vois. Au milieu de la séance, c'est souvent là où on commence un peu à ouvrir les vannes, à aller chercher les dossiers cachés, à discuter un peu, à rentrer dans l'intimité de la personne pour connaître ses motivations profondes. Et après, on renvoie sur un exercice de sport. D'accord. Et ça, tu penses que c'est un truc quotidien ? Faut consacrer combien de temps au sport tous les jours ? Si vraiment j'ai envie de faire un petit peu, tu vois. 20 minutes au minimum. Au minimum. Avec... minimum 20 minutes, au-delà d'une heure, c'est pas nécessaire. En fait, il faut bouger, quoi. Ouais. Pardon, exactement. Si je fais 20 minutes de ça. C'est très bien. C'est vrai ? Oui. Et si je fais 20 minutes de ça ? C'est excellent. Ok. Et ça ? Ça, c'est un peu moins bien, mais c'est bien quand même. Mais ça crevant, tu vois. Ouais. Et par exemple, ça, exactement ça, typiquement, Jarry. Tu peux faire en 30 secondes, 30 secondes. 30 secondes de danse où tu bouges à fond, 30 secondes de repos. Tu le fais avec les gamins. Tu ne vois même pas ta séance de sport passer. Et au bout de combien de temps on commence à avoir des résultats ? Là, en période de confinement, le fait que tu aies une activité qui soit très, très plate, tu n'auras quasiment pas de résultats en faisant seulement 20 minutes. Ah ouais. Si tu veux vraiment avoir des résultats, il faut travailler avec un plutôt haut volume d'entraînement. Okay. Donc ça, tu me le fais pendant 40 minutes. Ouais. Et dans l'assiette, tu essaies de réduire un peu les quantités de sirop Spring Garden. Ok, un autre exercice. Ok, alors, c'est un de mes exercices préférés, Jarry, parce qu'il permet de développer à la fois les cuisses, le dos et les épaules. D'accord. Donc souvent les gens ont des douleurs à l'épaule parce qu'ils n'ont pas suffisamment ce mouvement-là. Donc en position de squat, bien bas. Et en fait là, ce que tu vas faire, c'est ça. On peut le faire de manière alternée à gauche et alternée à droite. Tu sais qu'il y a des enfants qui nous regardent. Alors pour les enfants, tu peux le faire avec un Action Man. Ok. Ou avec Maui par exemple, qui va un peu tester ton truc. Alors, j'avais un élastique. Ah oui, il est dans la banane. Allez, le ridicule ne tue pas. En fait, ce qu'on va venir chercher là, c'est la rotation externe des épaules. Parce et ça, qu'on ça fait tendance, quand on est assis, à avoir les épaules qui vont vers l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ça fait mal. 7, 8, 9, 10, 11. Moi, ça me fait mal là. Yes. Ouais, exactement. Et là, on va enchaîner, on va descendre bien bas en squat et remonter. 1, 2, 3. Est-ce que ça existe des exercices qui font pas mal ? 3. Ouais. 4. Après, comme tu m'avais dit que tu étais un sportif chevronné de très haut niveau, moi j'ai choisi un niveau élevé. Hein. Regarde, Major, on a l'impression que tu rentres dans nos fesses. Attends. Regarde. regarde, attends. Reste en haut. Regarde, moi je suis le haut du corps et toi t'es le bas. Voilà. Okay. Allez, bouge tes jambes. On a un effet visuel. regarde. Voilà. Hey, ya, 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 ya. On reprend. Allez, on reprend encore une fois celui-là. Les rotations externes en squat. 1. Pour moi, c'est la position du suppositoire, tout ça. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On revient là et on fait le suppositoire. 1, 2, 3, 4, 5. Poussez à fond les deux bras vers le haut comme si vous vouliez rentrer dans le jarry. 7, 8. Mais ça marche vraiment et ça fait vraiment, vraiment du bien. Je sens qu'on souffle et qu'on étire.
Toi, moi, je suis content parce qu'on envoie un message aux gens. C'est que si je suis capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. Bien sûr. Quoi de toi ? À mes patients, quand ils viennent me voir, ouais. Je fais pas du tout de la pub pour mon cabinet, on s'en fout, mais parce que de toute façon, je dis jamais où je travaille, mais on peut très bien à la fois s'amuser et faire des exercices qui sont bons pour la santé, pour le dos, pour les épaules, pour les tendinites, les entorses. Il parce qu'on juste peut, on peut faire du sport à la morgue. Mais moi, je soigne pas des gens décédés, mais on peut. Et est-ce que tes patients te demandent ta carte d'identité histoire de voir si tu as plus de 18 ans quand ils arrivent en consultation? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Monsieur, vous êtes le stagiaire, je voudrais avoir le titulaire du cabinet, s'il vous plaît. Tu m'étonnes, mais c'est normal, tu as un cœur de polypocket. Alors, pour ça, on va faire un kettlebell swing. Allez, un autre exercice. Alors, si jamais vous avez un poids, quoi que ce soit, ça marche avec un poids, ça marche avec de l'eau, ça marche avec un jouet, ça marche avec un téléphone. Ce que vous allez faire, c'est le dos est droit, vous allez renvoyer l'objet, le dos est droit, quasiment à la limite de vos fesses, et en avançant votre pubis, vous allez remonter l'objet à l'horizontale. Donc ça donne ça. Un. Ok. Deux. Tout se fait dans les hanches, pas dans le dos. Non, je vais essayer. Ça gratte si vous le faites dans le dos, mais c'est mieux de le faire dans les hanches. Je vais essayer. Et c'est barré. Ah oui, bah parfait, excellent. Tu fais juste gaffe de ne pas lui mettre le nez dans le sol. Un. Deux. Trois. Il est content. Il est content. 8, 9, 10, 11 et 12. Bah c'est bien. Ouais. Magnifique. Tu penses que... Quand on a ça, ouais. On va se mettre dos au mur, ouais. Les talons contre le mur, les fesses contre le mur, les coudes contre le mur. On va venir chercher cette position-là. Ok. Et là, on va venir, en longeant les poignets, longeant les coudes, le long du mur, chercher le plus haut possible. D'accord. Et ça, c'est pas quoi ? Ça, ça permet de travailler tout le dos. Vu qu'on est souvent assis dans cette position-là, okay. Ça permet de venir chercher le schéma complètement inverse et de renforcer les muscles du dos depuis la position verticale. Génial. Donc ça, il faut vraiment le faire pour les gens qui habitent en appartement, quoi. Exactement. Donc, on vient là, en trois temps, bam, bam, et on monte, 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 on monte. Pour certains, c'est difficile, c'est pas grave si jamais vous vous retrouvez à cambrer, au contraire. D'accord. Et ça, ça muscle. Exactement. Deux. Donc, si je fais mes fenêtres, si je nettoie mes fenêtres comme ça, c'est la même chose. Exactement. Quatre. Putain, c'est ça, en fait. Cinq. Ah! Et 6. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez faire une pause. Pour ceux qui veulent continuer, vous allez descendre en squat, ce qu'on appelle un squat profond. Ouais. Là, vous allez faire la même chose. Un. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus dur. 2. 3. Attends, ouais. 4. 4. 5. 6. 6. 7. Ah. 8. Ah. 9. 10. 10. 11. 11. Et 12. 12. Et ça, on est d'accord que ces trucs-là, au bout d'un moment, ça devient de plus en plus facile quand même avec la Exactement, exactement. Là, moi, quand je le fais, ça se voit pas parce que j'ai un physique de très très haut niveau. Hein, là, ouais, là. Bah ouais. Mais c'est facile. Devenu facile. Alors, tu as des jouets d'enfant parce que tu as toi-même un enfant ? Non, non, c'est pour le plaisir, je les collectionne. Non, je suis en train de me dire qu'en fait, tu t'es reproduit. Non, mais... Tu disais ? Tu t'es reproduit, en fait. Ouais. Ouais, il y en a deux de plus. Parce que là, en fait, on galère pour un spectacle et Blanche-Neige et les Sept Nains, si vous pouviez venir avec toi et ton gamin. Bon, on est trois. On est trois. Super. Il nous faut Hatchoum, grincheux et sportif. Sportif. Moi, je vais faire sportif. Ok, allez, un dernier exercice. Allez, on va faire un dernier exercice pour se détendre un peu, pour relâcher. C'est un de mes exercices préférés. Ce que vous allez faire, je vous montre. Donc, c'est un exercice à la fois de mobilité et de renforcement qui permet de diminuer un peu les courbatures. Mettez en position de sprinter. Okay. Faites une ligne avec votre pied, vos deux mains. Okay. Le genou arrière est posé. Et là, ce que vous allez faire, c'est ouvrir comme si vous vouliez tirer un arc. Et je repose. Un. 2, 3, on est dans Koh-Lanta quoi. Exactement.
4, 5 et 6. Après, on change. Après, on quoi? Ah, on change. En fait, tu as deux jambes. Tout à l'heure, tu avais la gauche. Là, tu vas mettre la droite devant. Et ah! Allez, 1. Et 2. 2. Et 3. 3. Et 4. 4. Et 5. 5. Et 6. Et 6. Et 7. C'est bon. Et est-ce 8. Que toi, tu veux faire un exercice de ton choix que tu aimes bien, toi? Ben moi, un exercice que j'aime bien, c'est tout ce qui est un peu exercice, un peu dansé, choré, tu vois. Parce eh ben vas-y, c'est bien. Propose-moi-en un. Ben, par exemple, tu vois, un exercice que j'adore faire, c'est petit saut, petit saut, petit saut, petit saut. En fait, c'est comme un pas de salsa, je montre aux gens, ça fait… Tu vois, regarde, je vais te montrer. Juste les pieds. Tu vois mes pieds, là? Ouais. Regardez, ça fait… Pause, pause, pause. Pause, pause, pause. Pause, 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 pause. Et tu le fais de plus en plus vite. Ok. Mais ça, c'est vachement bien pour finir. Tu vois, c'est un pas que j'ai enseigné à l'époque où j'étais prof de danse à Cuba. Voilà. Alors, moi, t'es embarqué. Ah ouais. On a l'impression que t'es sur un cheval. Enfin, sur un poney. Voilà. Super. Il faut qu'on monte un duo, toi et moi. Hein. Mais on va faire un duo coach sportif comique. Hein, moi, je fais toute la partie sportive. Comique. Et donc... je vais quand même prouver aux gens. Je vais quand même prouver aux gens à quel point j'ai transpiré. Ah, c'est bien. Regarde-moi cette tête. Et ça, tous les jours, 20 minutes. Tous les jours, 20 minutes, c'est idéal. Si vous êtes débutant, monsieur débutant, je vous conseille 2 à 3 fois par semaine. Et on alterne à chaque fois. Ouais, moi, là, donc, je suis parti sur. Vous pouvez prendre plein d'exercices. Franchement. Faites les exercices qui vous font plaisir, c'est le plus important que vous réussissiez à être assidu. Ayez une dépense d'énergie qui va se marquer par de la sudation et de l'envie de boire. Cette sensation un peu de bien-être, là aujourd'hui on a privilégié les jambes et le dos. Ouais. Pour pouvoir se tenir vraiment bien droit. Et question, on peut boire autant qu'on veut pendant les exercices et entre les exercices. Ouais. Mais par contre on boit de l'eau, est-ce qu'on a droit à des boissons sucrées? Non, peut-être pas. Alors, pour la récup, tu serais surpris, mais en fait, on a fait pas mal d'études, c'est le lait qui est la meilleure boisson réhydratante. Le quoi? Le lait. Attends, j'ai une vache, je vais boire au pis. Il n'y a pas de pis. Sinon, l'eau, ça marche. Vous pouvez prendre de l'eau avec un tout petit peu de sel à l'intérieur, un tout petit peu, mais une pincée de sel pour 1,5 litre. Ça aussi, ça marche bien pour se réhydrater. Mais le lait, c'est le top. Le lait, mais par contre, c'est le top. Mais c'est ce que prennent pas mal d'athlètes. C'est assez surprenant. Parfois, c'est plus difficile, mais tu prends un verre de lait. Il y a plein de gens qui nous disent que c'est important pour ne pas avoir de courbatures aussi l'hydratation. Tu vois? Exactement. Je voudrais vraiment te remercier, Major Movement, parce que moi, je l'ai fait parce que ça fait quelques semaines que je fais du sport le matin et les gens se moquent de moi. Et entre autres, Milk and Move, ce site m'a lancé ce défi de faire un vrai cours de sport avec un professionnel qui était toi. Et vraiment… C'est drôle parce qu'on se connaît depuis l'enfance. Hein. Mm. Moi, j'étais en seconde quand toi, tu étais à l'école primaire. Bon, sauf que tu avais 34 ans. Mais... Écoute, les gens disent que c'est super. Hein. Tout le monde est hyper content. Les gens disent la bière aussi, c'est bien. La bière, c'est bien. La bière, ouais. On peut prendre une petite bière après le sport, mais on n'a pas trop le droit de le dire sur les réseaux sociaux. D'accord. Alors, on ne prend pas de bière. En tout cas, merci pour tous ces magnifiques… conseils, j'aurais bien que les gens vous m'envoyez sur mes réseaux sociaux vos tenues de sport et puis un petit peu ce que vous en avez pensé. Est-ce que là tu es debout, tu es assis? Là je suis debout sur la pointe des pieds pour essayer de rentrer dans l'écran. Merci Major Movement, c'était super. Avec plaisir, donc tous les mouvements qu'on a fait sont des vrais mouvements et évidemment on a déconné mais c'est des mouvements qui marchent pour de vrai, pour le dos, les jambes. Évidemment. Et puis, si vous avez des questions, de toute façon, voilà quoi, ils te retrouvent et ils te posent les questions qu'ils veulent. Dans Major Mouvement, sur ma chaîne Instagram et YouTube, c'est ce que je donne, des conseils santé tous les jours et de manière quand même un peu marrante, j'essaye. Surtout qu'en ce moment, en fait, les amis, on dit tout le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et là, on est tous confinés chez nous, donc on a un petit peu de temps. En plus, on peut le faire avec nos enfants, ça peut être rigolo. Exactement. Et puis, voilà, tu vois, moi, je vous dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger sain et il faut bouger. Oh, everybody. Merci Major Movement. Avec plaisir Jarry, merci pour l'invitation. Merci d'avoir participé à tous. Merci, à bientôt. Allez, à bientôt, bye bye. Ciao.